Mesdames et Messieurs, hier, le Président de la République a fixé le cap de l'action diplomatique de notre pays. Je n'y reviendrai pas. La prise de hauteur est nécessaire. Elle est nécessaire parce que, comme le disait Marc Bloch dans L'étrange défaite, je dois vous dire, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, que c'est la première fois qu'à l'évocation de Marc Bloch, j'entends des rires. Et je dois dire qu'il fallait que ça arrive devant une salle de diplomates. Bref, donc, Marc Bloch. Il y avait un pari sur est-ce que j'allais citer Marc Bloch ? Oui. Très bien. Voilà, voilà. Donc, le proche passé, disait Marc Bloch dans L'étrange défaite, est un commode écran. Il cache les lointains de l'histoire et leur tragique possibilité de renouvellement. Et cette année n'a pas été avare en tragique possibilité de renouvellement. Des événements qui ont conduit à une sorte de retour aux fondamentaux de la puissance, pour autant qu'on ait pu les oublier ou les négliger. Trois fondamentaux me semblent principalement revenir sur le devant de la scène. Le premier, c'est la capacité militaire. Il n'est pas impossible que la règle de droit à laquelle nous sommes très attachés, qui a fondé l'Union européenne, son approfondissement, son renforcement, nous ait fait un peu oublier à nous, les Européens, la dure réalité des rapports de force. Je ne dis pas évidemment que le droit ne compterait plus, mais je constate que la scène internationale s'est peuplée à un rythme rapide, d'hommes forts, entre guillemets, comme on en avait rarement vu ces dernières années, et d'hommes forts qui n'hésitent pas, qui n'hésitent plus à faire usage de la force ou à menacer de le faire pour imposer leurs revendications. D'où la nécessité pour les nations qui le peuvent de ne pas baisser la garde, d'investir et de réinvestir dans nos capacités militaires. C'est ce que nous avons fait en prévoyant de porter le budget de la défense à 2% de notre PIB en 2025. Et ça se traduit dès le budget 2018 et pour les années qui suivent par des augmentations de dépenses mûries, mises en œuvre, assumées, remarquablement importantes. Entendons-nous bien, nous aimons la paix. Nous respectons le droit, toute notre diplomatie est tournée vers ce but, mais nous ne sommes pas naïfs et nous savons que notre capacité militaire conditionne en partie notre action internationale. Le deuxième déterminant de la puissance, il est commercial. Là encore, avec la mondialisation, le spectre de la guerre commerciale a pu sembler appartenir au passé. Or, rarement des décisions politiques auront influencé autant la situation économique. Songez qu'en une soixantaine de jours, des centaines d'entreprises ont pris la décision et parfois ont mis en œuvre cette décision de se retirer d'Iran. Des entreprises qui vont en outre devoir s'adapter à des devises, à des cours, à des tarifs douaniers qui seront fluctuants. Baisse de la livre, baisse du yuan, début de remontée des taux aux États-Unis, hausse du prix du pétrole, très haut niveau du marché des actions. La liste est longue et doit être évidemment prise en compte. Troisième déterminant de la puissance qui se rappelle à nous, pour autant que nous ayons pu l'oublier et que le président de la République a évoqué hier, la géographie. Le réveil de la géographie. Une géographie qui n'est plus ce professeur qui fait son cours devant des bancs vides dont parlait Paul Morand, une géographie qui fait son grand retour dans l'actualité. Ce retour, c'est les États-Unis qui renoncent à certains de leurs engagements, c'est le Brexit, c'est la Russie, un retour de la géographie qui nous oblige à redéfinir notre propre territorialité en renforçant la souveraineté européenne, en redéfinissant les liens intimes, comme l'a dit hier le président de la République, qui nous lie à l'Afrique. En investissant l'espace européen, peut-être pas jusqu'à l'Oural, mais dans une vision ambitieuse de l'Europe, en étant capable aussi d'inventer des nouveaux modes de gouvernance
les Français l'ignorent ou l'ont oublié. C'est la France qui, en 1975, a inventé le G5, avec le président de la République et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, avec la ministre de l'Europe et avec le secrétaire d'État. Vous êtes à l'initiative sur tous les fronts. Nous devons, ensemble, inventer les nouveaux formats, les nouvelles méthodes qui seront celles de notre temps. Et pour paraphraser Albert Camus, il nous revient à nous de prouver que les limites de la géographie ne sont pas, et c'est heureux, les limites de l'esprit. Vous en avez les moyens parce que vous êtes les héritiers d'une très belle tradition diplomatique française. La France est une puissance militaire, elle est une puissance économique, elle est aussi une puissance diplomatique. C'était vrai au XVIIIe siècle, c'est encore vrai en 2018 sous la conduite de Jean-Yves Le Drian, et peu de pays, d'une certaine façon, peuvent se prévaloir d'une telle continuité. Je connais la difficulté de votre métier. Je connais les sacrifices qui ne sont pas toujours bien mesurés à l'extérieur de votre profession sur les conditions dans lesquelles vous l'exercez. Je connais aussi les risques physiques qui doivent être parfois pris. Plusieurs ici peuvent en témoigner. Quand une ambassade est prise d'assaut, quand un attentat est perpétré à proximité, quand il faut être au contact de groupes non étatiques en zone dangereuse, lorsqu'il faut parler à tout le monde, patiemment, fermement, sans transiger sur ses valeurs, mais sans offenser non plus ses interlocuteurs. Le président de la République a fixé le cap. Moi, je viens vous parler de l'exécution, des moyens, des budgets. Comme l'a voulu le concepteur des institutions de la Ve République, le président de la République est la tête pensante, et au Premier ministre, il revient le lot aussi méritoire qu'essentiel de s'occuper du reste. Et c'est très bien ainsi. Car avoir de l'ambition, c'est indispensable, il en faut, mais avoir les moyens de cette ambition, c'est bien aussi. Et vous le savez, en tout cas j'en suis convaincu, la France ne sera forte à l'extérieur, écoutée à l'extérieur, que si elle est forte à l'intérieur. Alors bien sûr, la force du verbe, la vision, l'audace, le talent de ces diplomates, le style même parfois, ont souvent permis à notre pays, pour prendre une image à laquelle je peux être attaché, de boxer un peu au-dessus de sa catégorie. Mais sur le long terme, vous le savez, on ne peut construire une diplomatie solide que sur des facteurs objectifs, sur une économie, sur des structures, sur des fondamentaux solides. Et c'est d'ailleurs une constante de notre histoire. Lorsque la France a su se transformer, lorsqu'elle a su parfois se ressaisir, elle a pu forger les outils et les compétences dont elle avait besoin, recouvrer son influence et retrouver son rayonnement. C'est le sens profond des transformations que nous avons engagées avec le président de la République dans tous les domaines de la vie économique et sociale de notre pays. Des transformations que nous allons poursuivre tout au long de cette année. Je vous l'avais dit l'année dernière, vous avez indiqué que notre objectif, c'était de passer en dessous de la barre des 3% de déficit. Vous avez également dit que j'avais bien conscience que je n'étais pas le premier à prendre cet engagement. Depuis, nous l'avons tenu, même si j'ai parfaitement conscience de l'effort qu'il faut encore fournir pour que cet élément s'inscrive dans une politique durable, dans un résultat durable, pour consolider finalement cet acquis dans la durée. C'est le sens aussi de la réflexion stratégique sur l'organisation et les missions de l'État dont le président de la République, que le président de la République a évoqué hier. Souvent en France, pour transformer le pays, il faut transformer l'action publique. C'est d'une certaine façon la conséquence du rôle particulier que joue l'État dans notre organisation, dans notre histoire, dans notre imaginaire. Transformer l'organisation de l'action publique, transformer les méthodes de travail dans l'État, transformer peut-être aussi ses missions, transformer donc, mais avec méthode, avec rigueur, avec respect, et ça n'est pas interdit, avec un peu de bon sens aussi. C'est dans cette perspective que nous avons engagé la démarche Action publique 2022, une démarche dont certains principes ont un écho particulier parmi les représentants des réseaux de l'État à l'étranger que vous êtes. Quel est donc le sens de cette transformation ? Depuis plus d'un an,
le président de la République formule une nouvelle géographie des relations internationales. Et nous devons, je m'inclus dans le lot, formuler une nouvelle manière de nous organiser. Ça n'est pas nouveau pour vous. Le Quai d'Orsay a déjà prouvé dans le passé son agilité, une agilité qu'il a parfois pu démontrer sous une certaine forme de pression, il faut bien le reconnaître. Oui. Enfin, une réelle agilité et une capacité d'adaptation. Pour réussir, il faut que les responsabilités soient claires. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vos organisations sont vastes, sont mondiales, et comme souvent, comme partout peut-être, pas seulement dans le secteur public, au fur et à mesure du temps, des nouvelles organisations, de la prise en compte de nouveaux objectifs, on a vu s'additionner de nouvelles strates. Des strates qui créent la complexité, si bien qu'à la fin, on ne sait plus vraiment qui décide de quoi et qui est responsable de quoi. Je crois que c'est Pierre Rosanvallon qui parlait de crise de l'imputation. Disons ceci qui vous concerne. Cette addition de strates, elle se traduit par des difficultés très concrètes, au moins à deux niveaux. Au niveau de l'action quotidienne, d'abord. Plusieurs d'entre vous indiquaient, je ne dirais pas se plaignaient, on ne se plaint pas, mais indiquaient ne pas pouvoir proposer la composition de leurs équipes et les modalités de notre action commune. Et c'est vrai, vous ne disposez pas toujours d'un vrai pouvoir de nomination. Vous disposez rarement des capacités vous permettant de pouvoir reconnaître les mérites de vos collaborateurs, et certains d'entre vous disposent d'une autorité que je qualifierais de variable sur ces collaborateurs. J'ajoute, et c'est d'ailleurs votre ministre qui a eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises, que les services communs de gestion doivent parfois gérer jusqu'à 42 enveloppes budgétaires distinctes. Qui, à l'évidence, est un élément de simplicité. En résumé, je crois pouvoir dire que nous avons souvent réussi, peut-être pas toujours, mais souvent réussi, le tour de force de reproduire à des centaines, voire à des milliers de kilomètres de Paris, la complexité d'une administration centrale, peut-être pire encore, la complexité de plusieurs administrations centrales étant amenées à travailler ensemble. Concrètement, cela a eu une conséquence. C'est l'hypertrophie des fonctions dites support qui représente 30% des ETP à l'étranger. C'est un chiffre étonnant quand même. 30% des ETP à l'étranger relèvent des fonctions support. Je ne dis pas du tout, et n'imaginez pas une seconde que je pense, que ces agents ne font pas bien leur travail. Ils font un travail qui est absolument indispensable. Il n'y a aucun doute et aucun sujet dans mon esprit là-dessus. Mais je pense que l'heure est peut-être venue de cesser de gérer nos personnels à l'étranger en silo pour le faire de façon plus harmonieuse, plus transversale, plus cohérente et peut-être plus managériale. En raison du coût pour la collectivité nationale d'une expatriation, nous devons sans doute mieux réfléchir aux profils et aux métiers que nous voulons envoyer à l'étranger. L'enjeu est un enjeu de taille. L'État et les opérateurs sous plafond, cela représente au total, monsieur le ministre, 20 000 agents. À titre de comparaison, en France métropolitaine, en France, pardon, l'ensemble de la justice judiciaire, magistrats, greffiers sur tout le territoire national, c'est 30 000 ETP. Le second niveau, c'est celui de l'action stratégique. Avec les ministres, nous avons constaté que nous n'étions pas capables d'avoir une vision parfaitement claire de la présence de nos effectifs à l'étranger, de leurs métiers et de leurs objectifs. Le fameux Corinthe, qui est censé répondre à cette nécessité, ne se réunit pas au niveau politique, au niveau des ministres, j'entends. Chacun dispose d'informations parfois parcellaires, souvent pas à jour. Je vous indique que nous raisonnons, par exemple, à l'heure actuelle, sur des données de 2016. Et il est, dans ces conditions, peu évident d'avoir une vision prospective de la manière dont nous voulons être représentés à l'étranger, tant géographiquement que par filière métier. Face à cette complexité, la réponse du gouvernement
est assez simple. Elle consiste à donner à l'ambassadeur les moyens de gérer son ambassade et à placer le Quai d'Orsay au cœur de l'organisation interministérielle de l'État dans sa projection internationale. Si j'osais, je dirais que là aussi, il s'agit de revenir aux fondamentaux, pour autant que les fondamentaux aient jamais été véritablement mis en œuvre, ce qui est incertain. Je vais donc peut-être vous paraître un peu vieux jeu, mais pour moi, une organisation qui fonctionne, c'est une organisation avec un patron, avec un chef, qui prend des décisions, qui les assume, qui les explique, et puis quand elles ne sont pas bonnes, on lui explique. Et on en tire les conséquences. Concrètement, cette réorganisation comprend trois étages sur lesquels je vous propose de revenir rapidement. Le premier, c'est ce que cela va impliquer pour vous au quotidien, et très rapidement, puisque les dispositions sont incluses dans la loi de finances pour 2019. Ça va impliquer quelque chose d'assez simple, mais qui, comme souvent les choses assez simples, peut relever d'une forme de révolution. Vous allez désormais piloter les fonctions support de l'ensemble des réseaux de l'État à l'étranger. Ça veut dire que l'époque où les chefs de service disposaient de fonctions support à leur discrétion, où les équipes d'assistants n'étaient pas mises en commun, où les règles de déplacement variaient d'un personnel à l'autre, où l'immobilier de bureau relevait de la responsabilité de l'administration centrale de chaque ministère, cette époque est bientôt révolue. Dans cette perspective, j'attends de vous deux choses. Ce que j'appellerais une intelligence totale des situations et une extrême exigence. L'intelligence locale, j'ai dit totale, ça n'est pas incompatible. Locale, locale, totale et locale. Alors. Avant d'être Premier ministre, j'étais maire du Havre, j'ai conservé de cette magnifique expérience une conviction à la fois très précieuse mais aussi très frustrante quand on est chef du gouvernement, c'est qu'il y a des questions, je pense notamment à la mise en commun de moyens, à l'harmonisation des contrats des personnes qui sont recrutées, à la gestion de l'immobilier, à la rationalisation d'un parc automobile, qui ne peuvent être gérées qu'au plus près et que sur le terrain. Et que ce n'est pas la peine d'essayer d'imaginer qu'on puisse, depuis un peu plus loin, voire depuis très très loin, voire depuis Paris s'agissant des fonctions à l'étranger, avoir une quelconque utilité dans la gestion de ces moyens. Nous prévoirons donc un cadre. Une instruction du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères précisera dans les jours à venir les éléments de la future convention interministérielle. Mais, soyons clairs, il vous reviendra d'assurer les décisions entre les services d'une ambassade, d'abattre quelques cloisons entre les équipes pour favoriser l'expression de notre intelligence collective à l'étranger. Le contrepoint de cette intelligence à la fois totale et locale, c'est l'exigence extrême, qui est le complément du premier point. C'est à vous de peser, c'est à vous de prendre les décisions, et les patrons qui se planquent derrière les instructions, en vérité, ne sont pas des patrons. Vous serez désormais responsable des moyens de vos chefs de service. Ça demandera de l'exemplarité, des choix, de l'équité, une capacité à bien évaluer les moyens en fonction des fins, une capacité à bien définir les priorités, qui ne sont pas toutes les mêmes, partout, bien entendu, et vous serez évidemment également jugé sur ces points. Le second étage de cette réorganisation concerne le pilotage des réseaux de l'État à l'étranger. Là encore, nous allons fonctionner à deux niveaux. Au niveau central, d'abord, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sera chargé chaque année, au début du printemps, de proposer une évolution des réseaux de l'État à l'étranger par métier et par géographie. Pour cela, il s'appuiera sur la remontée des analyses que vous lui aurez transmises. Il partagera ensuite cette proposition avec les ministères concernés, c'est-à-dire avec ceux qui ont des agents à l'étranger. Et à l'issue d'une période de consultation, un schéma d'emploi global, décliné par pays et par fonction, sera arrêté. Si le besoin s'en fait sentir, Matignon arbitrera. Localement, cela implique que vous allez devoir proposer dès cette année, puis au fil des prises de poste et en amont de votre plan d'action, des évolutions du dimensionnement et de la composition de votre poste en fonction des priorités et de votre feuille de route, en fonction peut-être aussi des évolutions locales constatées. J'entends souvent dire, et c'est certainement vrai, que les chancelleries sont sous-dimensionnées, notamment en Europe, que les services des visas ne permettent pas de traiter l'augmentation de la demande dans les pays émergents, alors même que nous avons voulu une délivrance en 48 heures de ces visas. Vous allez pouvoir proposer les redéploiements nécessaires,
à l'intérieur de chaque poste et au sein, évidemment, du ministère. Le troisième étage de cette réforme, qui est en quelque sorte sa conséquence logique, ce sont des économies. Les économies, parlons-en, elles ont été fixées, l'objectif que nous nous sommes fixés, qui a été partagé par l'ensemble des membres du gouvernement, c'est un objectif d'économie de 10% de la masse salariale sur l'ensemble des réseaux à l'étranger. Je ne parle pas en termes de postes, je ne parle pas en termes de ministères, je dis 10% de la masse salariale d'ici 2022 sur l'ensemble des réseaux de l'État à l'étranger. Et c'est au ministère, ok, aux ambassadeurs, de piloter la réorganisation avec en tête cet objectif. J'ai demandé ces économies parce que je sais qu'en organisant mieux nos réseaux à l'étranger, on peut y parvenir sans remettre en cause ni nos missions, ni la qualité de notre travail. 10% en 5 ans, c'est grosso modo ce qui a été réalisé dans les 10 à 15 dernières années. Souvent d'ailleurs sans le dire, en tout cas sans l'assumer. Souvent par petites touches, et souvent sans prendre en compte la nécessité d'une réorganisation globale des missions et des organisations. Aujourd'hui, nous disons les choses, nous fixons un objectif qui n'est pas simplement un objectif qui pèse, je le rappelle, sur le quai, mais sur toutes les administrations et sur tous ceux qui participent à l'action de l'État à l'étranger. Vous allez vous organiser pour l'atteindre. Il y a un pilote dans l'avion et ce pilote, c'est le Quai d'Orsay et localement l'ambassadeur. Nous allons définir clairement ce que nous voulons conserver, par exemple l'universalité du réseau qui s'est avérée précieuse. La sécurité, le ministre y est extrêmement attaché à juste titre d'ailleurs et il s'est beaucoup employé et on peut dire investi sur le sujet, monsieur le ministre, à juste titre là encore et avec le soutien du chef du gouvernement. Les moyens de l'enseignement du français dans le monde, tout cela constitue des priorités affirmées et légitimes. Et une fois qu'on a affiché ces priorités, on regarde où l'on peut trouver des marges de manœuvre. Et il me semble, quand on le fait avec calme, avec méthode, on constate que des leviers, il en existe. Je pense au travail sur les fonctions support que je viens d'évoquer. Elle me semble pouvoir baisser assez rapidement à un objectif qui serait en deçà de 25% des ETP à l'étranger, au lieu des 30% aujourd'hui. On peut aussi, quand cela se justifie, bien sûr, et quand cela est possible, remplacer des fonctionnaires expatriés par des agents de droit local, par exemple dans les services culturels et économiques, en particulier en Europe. Je n'invente rien, ça existe, mais on doit pouvoir, là encore, atteindre les objectifs que nous fixons en prenant en compte cette possibilité. On peut réfléchir à une meilleure répartition des implantations des opérateurs de l'État à l'étranger et de leur mode d'action. Enfin, qui dit nouvelle géographie, dit nouvelle priorité dans vos pays de résidence. Dans certains pays, il faut probablement créer de nouveaux postes. Dans d'autres, on peut imaginer qu'il faille en supprimer. Enfin, toute transformation suppose de la prévisibilité, pardon. C'est pourquoi j'ai souhaité avec le président de la République que ces nouvelles modalités d'organisation stratégique et opérationnelle s'incarnent dans un contrat qui obligera tout aussi bien le Quai d'Orsay que les autres ministères concernés par la réorganisation des services extérieurs de l'État. Ce contrat de transformation permettra de tracer nos objectifs à l'horizon 2022 et ce sera la feuille de route de la réforme que je viens d'évoquer devant vous. Je souhaite qu'il soit élaboré avec l'ensemble des ministères d'ici la fin de l'année. Cette démarche, elle s'inscrit évidemment dans le cadre plus général de la réforme de la fonction publique. Ce qui est en jeu, c'est d'adapter la fonction publique, d'en assouplir la gestion. Nous sommes évidemment tous attachés à ces grands principes, la neutralité, la continuité, l'égalité, l'adaptabilité. Mais reconnaissons-le, ces règles se sont souvent sédimentées, le statut s'est souvent rigidifié, et les grands principes, l'adaptabilité notamment, sont parfois rangés au rang des grands principes. C'est pourquoi nous avons identifié 4 axes de travail qui sont beaucoup plus larges, qui ne concernent évidemment pas seulement le Quai d'Orsay, mais qui concernent l'ensemble de la fonction publique. La rénovation du dialogue social, c'est le premier axe. Le recours accru aux contractuels, notamment pour les métiers ne relevant pas d'une spécificité propre au service public. La refonte de la politique de rémunération,
Je ne suis pas contre l'automaticité, mais enfin chacun reconnaîtra qu'elle n'est pas toujours motivante et qu'on peut sans doute la compléter par des mesures incitatives. Quatrième et dernier axe, l'accompagnement des transformations, s'agissant des projets de reconversion ou de mobilité au sein des fonctions publiques ou vers le secteur privé. Et je sais que votre corps y est habitué. Nous vous proposerons dès 2019 des outils pour faciliter les reconversions. Nous donnerons également la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent de bénéficier d'une retraite anticipée pour s'engager dans une nouvelle vie. Je l'ai dit, le gouvernement le porte. Nous voulons que cette transformation dans la haute fonction publique se montre exemplaire. Vous vous en souvenez peut-être, environ un tiers des élèves qui sortent de l'ENA et parfois les mieux classés exercent dans ce qu'il est convenu d'appeler un corps d'inspection ou de contrôle. Ça n'est pas toujours le cas. Il y a des contre-exemples, y compris dans cette salle. Mais enfin, c'est la norme la plus courante. Le président de la République a demandé que ses élèves, ceux qui font le choix des corps d'inspection et de contrôle, puissent, dans les deux années qui suivent leur sortie d'école, être affectés très rapidement au projet défini comme prioritaire par le gouvernement. Nous voulons que ceux-là qui choisissent ces corps puissent être mis à contribution sur des sujets sur lesquels le gouvernement considère qu'il y a une priorité, une nécessité de pouvoir ponctuellement mobiliser une matière grise et des compétences encore en devenir importantes pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Dès septembre prochain, des jeunes hauts fonctionnaires viendront, par exemple, participer à un exercice parfaitement redoutable que beaucoup d'entre vous connaissent très bien, qui est la négociation, mais surtout la prise en compte des effets du Brexit sur la marche de notre pays. Il y a là un défi majeur. J'ai eu l'occasion hier de réunir un très grand nombre des membres du gouvernement autour de moi à Matignon pour que nous puissions faire la liste des questions et des objets juridiques qu'il nous faudra mettre en œuvre pour tenir compte soit de la sortie ordonnée, que nous appelons de nos voeux, soit de la sortie non ordonnée, qui n'est pas impossible, et qui poserait évidemment, juridiquement, économiquement, matériellement et humainement, des questions particulièrement complexes à gérer. Eh bien, quand on se trouve face à une pointe d'activité, un sujet redoutablement complexe, on doit pouvoir aller chercher la mobilisation de gens et de matières grises pour pouvoir répondre aux enjeux. Il n'est pas impossible, Monsieur le ministre, qu'après discussion, nous définissions cette fonction comme, ou cette mission comme prioritaire et que vous puissiez l'année prochaine bénéficier de cet apport de capacité de travail. Mesdames et messieurs, beaucoup d'entre vous travaillez depuis très nombreuses années à l'étranger. C'est une très grande chance et c'est aussi un sacrifice. Et les deux sont vrais. Il y aurait quelque chose d'indécent à ne pointer que le sacrifice. Mais il y aurait quelque chose d'inconscient à ne pas saisir ce qu'il implique dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie amicale et dans le déroulement d'un épanouissement personnel. Cette caractéristique qui fait de vous des agents publics, des représentants de la France à l'étranger, elle fait aussi de vous, d'une certaine façon, des observateurs extrêmement privilégiés d'au moins trois éléments. D'abord, des inestimables atouts que notre pays, dont notre pays dispose et qui expliquent ce qu'il est parfois convenu d'appeler ce désir de France qui s'exprime aux quatre coins du monde. Vous êtes aussi les observateurs de l'évolution du monde, de cette tectonique des plaques économiques, culturelles et humaines qui prépare et qui parfois précipite l'histoire. Et puis enfin, vous voyez probablement mieux que d'autres ce dont la France a besoin pour être à la hauteur de sa vocation, de son époque et de son ambition. Et de ce dont elle a besoin pour recouvrer sa pleine et entière puissance. Elle a besoin, me semble-t-il,
de messages clairs, elle a besoin d'audace. Et cette audace, nous l'avons. Elle a besoin d'une administration en ordre, d'une économie robuste, de finances publiques saines, d'hommes et de femmes qualifiés. Elle a besoin d'innovation, elle a besoin d'investissement, elle a besoin d'une vision, notamment en Europe. Elle a besoin d'alliés sur chaque sujet. Elle a besoin de mobiliser et d'entraîner nos partenaires. Et elle a besoin de serviteurs investis et conscients, capables de conduire cet éternel combat entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Ce combat, il se déroule ici en France, il se déroule près de nous en Europe, il se déroule ailleurs dans le monde, et c'est un combat qui n'est pas près de s'achever et qui n'est pas gagné. Et nous devons tous avoir la lucidité de savoir qu'il n'est pas gagné. C'est aussi à vous de le conduire, de le mener, de le gagner. La France, dans ce combat, doit avoir une voix sûre et ferme, et elle doit être la voix sûre et ferme de la raison. Afin que, mesdames les ambassadrices et messieurs les ambassadeurs, les tragiques renouvellements dont parlait Marc Bloch ne dépassent jamais le stade des seuls possibles. Je vous remercie.